500 ans, moniteur d'atelier à les Alpes de la Frémonière depuis 7 ans. C'est un établissement réservé aux travailleurs en situation de handicap. Alors moi, je suis heureux de travailler à l'API, donc je m'y sens bien. Bah, notre mission, nous, c'est d'accompagner nos travailleurs hein, sur le travail et aussi sur la partie médico-sociale, où on les oriente aussi vers une psychologue s'il y a nécessité. Après, c'est vraiment, nous, de leur faire développer des compétences et aussi... Maintenant, avec ce qu'il vient demander, c'est de faire de l'inclusion, les faire évoluer pour intégrer un milieu ordinaire dans les entreprises. Donc au quotidien, je travaille avec mon directeur, chef de service, chef d'atelier, psychologue, assistante sociale, moniteur d'atelier, secrétariat, technicien de maintenance et puis notre chauffeur. Et puis bien sûr, les clients avec qui ils sont aussi en relation quand c'est nécessaire. Alors moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de les faire évoluer, leur donner un savoir-faire. Un travailleur, voilà. Il y a un handicap, mais ils sont capables de faire des choses très très bien. Donc comme quoi, nous, voilà, on les voit arriver et puis ils évoluent. Alors ils évoluent, soit ça stagne un petit peu, mais après c'est aussi à nous de les tirer vers le haut. C'est aussi notre but, hein, de les faire progresser. Voilà, quand on arrive à leur faire acquérir beaucoup de compétences, c'est super. C'est eux qu'on met en avant. Hein. On les met en avant, voilà, voilà. Ce sont nos travailleurs en situation de handicap, donc nous on les fait progresser et on œuvre pour eux. Hein. Quoi qu'il arrive, de toute façon c'est pour eux.